Constant, l'infirmière. Bonjour à tous les enfants. Je suis votre infirmière scolaire et je passe dans toutes les classes de 4e pour vous informer sur tout ce qui est sexualité, MST, contraception, fist-fucking. Enfin, tout ce qu'il faut savoir quand on a 13 ans et qu'on est amoureux. Donc, pour être plus à l'aise, je propose qu'on s'appelle directement par nos prénoms. Donc, moi, je m'appelle... Bah, Cynthia. Ça commence par un B. Donc, alors, attention les enfants. On vous donne ce cours d'éducation sexuelle, mais c'est pas pour vous inciter à faire l'amour. Je veux dire, vous avez 13 ans, vous avez le temps. Si c'est dans 2-3 semaines, c'est pas grave. Donc alors, qu'est-ce que je dois me poser comme question avant de faire l'amour? Premièrement, est-ce que je suis prête? C'est-à-dire, suis-je correctement épilée? Deuxièmement, est-ce que le lieu est idéal? C'est-à-dire, est-ce que personne ne passe à cette heure-ci sur ce parking? Troisièmement, comment s'appelle mon partenaire? Donc alors, attention les enfants, je veux dire, on vous donne ce cours d'éducation sexuelle, mais c'est pas pour vous inciter à faire l'amour. Dans la vie, tout se passe pas comme dans un film pornographique. On n'entre pas dans une pièce et tout le monde se met pas à coucher avec tout le monde d'un seul coup. Je veux dire, ça s'organise à l'avance, ce genre de choses. On s'envoie des textos, des SMS, etc. Évidemment, il faut toujours vous protéger. Si la moquette est synthétique, genouillère et coudière obligatoire. Le préservatif reste le moyen de contraception le plus efficace puisqu'il vous protège également des MST, à savoir hépatite, chancre mou, syphilis, herpès purulent, verrue vaginale et bien sûr le pire, celui dont vous avez déjà tous entendu parler une fois, un enfant. Je suis à l'abri d'une grossesse si je suis sous pilule, si j'ai un stérilet ou si je suis moche. Je finirai cette intervention en m'adressant tout particulièrement aux jeunes filles qui sont plus fragiles que les jeunes hommes. Mesdemoiselles, moi aussi j'ai eu votre âge. Il ne faut pas céder à la pression ou à la peur de décevoir. Il faut vivre l'amour comme dans un conte, en se respectant. Et garder toujours ceci en tête. Une fille, c'est comme une couette. Elle reste froide et plate si elle n'est pas correctement fourrée. Constant.